Ouais, bonjour. S'il vous plaît, excusez-nous, nous appelons Mayo. Attendez. Qu'est-ce qui fuit la concertation nationale? La concertation nationale. Bon, en fait, vous savez, il peut se faire une fois, comme qui dirait, bon, attends, peut-être, vous savez, l'une de fois, parce que bon, normalement, je peux dire ceci. Messieurs, qu'est-ce que signifie la concertation nationale? Yaron et Natouni. Mais c'est ce que je suis en train de parler, messieurs. Quelquefois. Savez, dorénavant, il peut se faire. Peut-être si on peut croire. Espérons. Prenons les cas du genre. Toutefois. Mais il peut sembler que. Bon, papa, en réalité, quelque chose bête, est-ce que aux ana éthique, aux ana, ouais, puis gris d'abord, il y a un journaliste. Ouais, puis programme, à diffusion. Puis ça, on a déontologie, Non, mais comment on a plein de ça? Non, mais moi, je travaille. Est-ce que j'ai le temps de poser ma question? Hein? Non, mais tu n'as pas le droit, papa. L'accent éthique, ouais, puis gris, il y a programme, Mais pourquoi, Kassi, on a ma question? Autant on a ma question sans gris. Hein? Non, mais soyons sérieux, papa. Ma question bête, quoi embêter, hein? Non, hein? Et soyons quand même sérieux. Bonjour, madame. Bonjour, papa. Qu'est-ce que signifie la concertation? Concertation. Comment? Oui. Concertation nationale. Voilà. Concertation nationale, et ça, aux unes des côtés, on beaucoup comme sous, n'a beaucoup comme sous à côté, au scope, il tombe dans la catégorie, il y a une concertation nationale. S'il te plaît, papa, tu as beaucoup comme mon corps. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? On m'appelle Eli Kitenge. Vous êtes en quelle année? Je suis en sixième pédagogie. D'accord. Qu'est-ce que signifie concertation nationale? C'est quoi encore la question? Non, mais c'est clair la question. Qu'est-ce que signifie concertation nationale? En réalité, je suis en cinquième. Je ne suis pas en sixième. Mais oui, merci d'avoir avoué, mais en cinquième, c'est la même matière. On est censé connaître la concertation nationale. Bon, je ne suis pas en cinquième. En réalité, je suis en quatrième. Même les élèves des quatrièmes sont censés connaître la concertation nationale. Chez nous, la quatrième et la troisième, on a presque la même matière, mais ça, on n'a pas encore étudié. Merci. Ok, merci, monsieur. Qu'est-ce que signifie la concertation nationale? À la concertation nationale, bon, en fait, dans un médecin, tu vois, concertation nationale, moi, je suis un gynécologue. Ça, gynécologue, mes patients, mes malades et tout ça, la beauté, ça, ma passe, tout ça. Ça ne fait pas vraiment partie de mon domaine. Mais par contre, je peux vous proposer un collègue, lui, c'est un radiologue. Hein, il a un domaine de la radio, tout ça, oui, ça peut aller. Sinon, dommage. Merci beaucoup. Oh, merci. Bonjour. Qu'est-ce que signifie la concertation nationale pour vous? Passez-moi. Je dis, qu'est-ce que signifie la concertation nationale? Ah bon, la foule est sana. Baba, ça, c'est mina ba salimia ba ntuku angu ku Kisangani. Nam salimia baba angu, papa ba Suli Bernard. Nam ba salimia ba ntuku angu bote kula ku Goma. Papa, o eza, ma tunio question ba lobi, concertation nationale eza nini? Ah baba, nini on a nikba ma ivi. Hein? On a nikba ma ivi aye. Hein? Merci beaucoup, on applaudit très fort pour...